Ok, salut à toutes et à tous, c'est Tonino. Aujourd'hui, je suis avec Bubzy et Blondie. Bubzy a disparu du champ, super. Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Blondie et Bubzy. Coucou. Salut. On est en train de traverser la France, du Jura jusqu'à la Bretagne. Je vous en dis pas plus pour le moment, et je vous reprends plus tard. Tu préfères. Tu préfères être un chien ou être un chat? Un raton laveur. Moi perso, okay. Je choisis le raccoon. On a le droit au bonus. Ouais, ok, d'accord. Tu préfères que tes doigts soient gros comme tes jambes ou que tes jambes soient grosses comme tes doigts? Alors, Tonino, ça marche pas pour les doigts parce que je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Il a un espèce d'embryon de doigts raté. C'est... Alors, moi, ça me un fait fœtus penser, de doigts. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser, vous savez, dans les cirques, à ces ballons, les clowns là qui font des grands ballons et qui font des chihuahuas et des serpents avec. Regardez bien le doigt, si tu peux le mettre à la caméra, s'il te plaît. Voilà, ça commence, vous voyez, le ballon voilà. Est moitié gonflé. Le un reste, ballon de clown. Voilà. Voilà à quoi je suis comparé aujourd'hui. Tu préfères du chocolat à la saveur de merde ou de la merde saveur chocolat? De la merde saveur chocolat. Merde saveur chocolat, oui. C'est dégueulasse. T'as déjà goûté du chocolat à la rhubarbe? Du chocolat au fenouil? Du chocolat au piment? Merci Hirsinger, hein. N'achetez jamais une boîte de chocolat Hirsinger, je vous le dis. Ah, c'est une grande marque de chocolat, ils font des super bons chocolats. Du chocolat au fenouil? Non, merde, fais regardez pas ça. Moi, tu préfères courir à 100 km/h ou voler à 5 km/h? Ouais, oh putain. Voler à 5 km/h? Ouais. Carrément? Ouais, c'est carrément mieux. Je m'en bats les couilles de courir, c'est nul. D'accord. Puis voler vite, je m'en fous, moi je l'aurais pas pour si, le paysage. Donc voler à 5 km/h, c'est-à-dire que vous avez les flics autour, vous faites comment? Hein? C'est pas interdit de voler. Comment ça? Voler à 5 km/h, donc genre si t'as les keufs parce qu'ils t'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé pourquoi? Bah oui. Bah si tu voles. Non mais voler. C'est voler dans les airs. Oh putain. Ah putain, mais ça prend pas. Ah putain, temps, ouais, comme tu dis. Tu me disais, mais ils sont. Mon dieu. Blondie. Voilà. Tu remplaces l'animal par licorne et c'est parfait. Tu préfères posséder raccoon. Un dragon ou être un dragon? Non, je veux un dragon. Moi je veux un non, raccoon. Non, je veux être un dragon. Non. Je veux être un dragon qu'un dragon. Dragonception. Non, je préfère posséder un dragon. Ça peut être moi. T'es pas un dragon? Oui, mais justement, si je coche ça. Quoi? Bah, la question c'est posséder ou être un dragon. Ah, mais les dragons, ouais. De toute façon, ils ont des pouvoirs. C'est pas des animaux normaux. Bah, par donc si t'es un dragon, voler, ça veut dire que tu peux possiblement avoir le pouvoir de te transformer en humain. Mais d'où ils ont des pouvoirs les dragons? Bah moi je vais être un dragon qui se transforme en humain. Mais un dragon ça se transforme pas, ça crache du feu et ça va. On va choisir la couleur. Rose, c'est ça? Est-ce qu'elle a la clim? Non. Est-ce que le dragon peut avoir une corne au milieu du front? Ok, tu préfères être sexuellement attiré par les fruits ou avoir les doigts tachés de Cheetos à jamais? Oh bah moi je baisse des fruits. Hein. Ouais, pareil, c'est bien. Tu parles qu'une pastèque c'est cool. Ce que j'allais dire, une petite pastèque là. Tu fais un trou, tu vois. Oh putain. Tu préfères parler n'importe quelle langue couramment? Ouais. C'est bon, j'ai déjà fait mon choix. Ou être capable de parler avec les animaux? Les animaux. Parler aux raccoons. Ouais, les animaux. Non, mais même sans parler de raccoons, tous les animaux. Ouais, les animaux c'est mieux. Ouais, carrément. Pour apprendre la plein de choses. Ouais. Genre pourquoi les dauphins sont des violeurs. Ouais. Écoute-toi des apparences. Quoi? Regardez les délinquants là-bas. Ça promène de la drogue et puis ça se fait attraper, hein. Hein, fais-moi le malin quand on est couché par terre. Allez hop, un doigt dans l'anus. Je sais pas. Quel genre de mec traite une caravane avec une Maserati? Les semi-gitans. À quel moment tu fais ça? Je te dis, il faut vendre des churros. C'est cool ça, parce que c'est un peu ce qui est en train de m'arriver. Tu préfères parler uniquement j'ai en peur. Posant des questions? Non, enlève ton clignotant toi, putain. Tu préfères parler en posant uniquement oh, des questions? Oh, je vais t'enculer. Oh, je vais... Désolé, mais... Faut... Le mec, il est à côté voilà, des bagnoles, il met son clignotant à droite. De se balader. Putain, barre-toi de là. Voilà. C'est... Voilà, ce que vous savez pas, vous, ça fait à peu près... C'est la route de droite. La route de droite, on est en France. Voilà, mets ton clignotant, maintenant tu et te déportes. Le gars a une voiture prodigieusement sale, c'est-à-dire que... Non mais c'est génial. Merde, voilà, maintenant faut que je me redéporte pour le redoubler. Le mec qui m'a doublé avant, et il accélère. Et il accélère. Est-ce qu'on peut lui faire des grands signes d'amitié en passant à côté? Est-ce qu'on peut l'enculer? Ah, il... Vous de voulez façon... pas qu'on en teste 2-3 là? C'était lequel celui-là? Choqué. Ok, le truc
bizarre là qui a un œil fermé, un œil ouvert. Et toi? Le blasé, ouais, c'est bon, tu le fais super bien. Grumpy Cat. Ouais, ce type à la tête de Grumpy Cat, c'est hallucinant. C'était le quoi porte, le système très novateur? Porte-monnaie, carte feuille. Porte-monnaie, carte feuille. Johnny Hallyday. Non, il a créé un portefeuille où tout tient dedans. C'est un truc tout petit où tu peux tout mettre. Tu vois, si vous connaissez Harry Potter, tu sais, la besace d'Hermione. Ouais. Le puissant sans fond, là. C'est exactement ça, mais en mode version porte-monnaie. Alors, je dois t'avouer que la besace d'Hermione, je la connais pas trop, parce que quand je regardais Harry Potter, je regardais pas la besace en fait d'Hermione. Du coup. Il regardait la bonasse d'Hermione. La bonasse d'Hermione. Hey, regarde parce qu'il y a marqué sur le camion. Attends, comment est-ce qu'on fait? Tu le groupes. Tu le. T'as fait Joule. Non mais regardez, en fait. Tu arrêtes ça, tout de suite. Ok. J'ai eu de la chance, c'est que tu ne fais pas correctement le logo, le machin de merde avec tes doigts. Ah, regarde. Eh, salut, nous on va manger. Hein. Salut, on est revenu. 56 euros. Ça fait cher le saucisson. Allez, c'est reparti. So fragile, like it was built to break off the handle. We get to this place. La destination est à 100 mètres sur la gauche. Eh ouais. Arrivé, la destination est sur la gauche. On est arrivé. Oh, on a un problème. Bah, on est arrivé. Exactement pourquoi on est venu en Bretagne. Bubzy a enfin acheté un GSX-R 1000. Petit modèle de 2004 en Black Edition. Maintenant on va prendre la route du retour. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, quelle bande de connards qu'on est. On vient de se taper encore 200 bornes avec la rouge hockey descendue. Là. Merde, je la sers. Tu l'as l'air monté, hein. T'as trouvé celle qui se descend. Putain, mais ouais, elle est remontée en plus. Ce qui me semble bien que tu l'avais remontée, hein, la rouge hockey. Tu l'avais remontée, tu l'avais même mise dans le. Je l'ai remontée, elle était dans le coin là. Ah, bah ouais, c'est putain. Elle qui se dessert. Ah la pute. C'est pas de notre faute. Bon, allez, on y retourne. Salut, on est arrivé à Lons, on décharge la bécane. Au fait, ta rouge hockey, elle a pris des vitesses, mon pauvre. Pourquoi elle était par terre? On a accroché l'armoire qu'on a oublié de l'enlever. Bah, du coup, on sait pas si on a vraiment oublié. Ah bah, hier matin, sûr. Aujourd'hui, non, elle est redescendue. Quoi. Oh, en troisième, ça lève. Et voilà. Là, on a un Bubzy heureux avec une bécane.
Donc quand je vous disais ça va tout changer sur la chaîne, c'est que maintenant que j'ai retrouvé mon pote avec sa bécane, on va pouvoir aller se faire des putains de balades. Là cette année il va y avoir de la vidéo. Je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. C'était Tonino. Terminé.